longtemps que je rêve d'habiter en habitat groupé. Oui, tu as un peu l'idée d'un beau jardin et tout ça, une maison qui vit où les gens font des choses et où ça bouge. Vaguement, tu as cette idée-là. Ce qu'on recherche, c'est peut-être un lieu qui nous permette d'être en projet, quoi. Donc pas quatre murs pour vivre notre vie à nous. Faire vivre ce milieu, d'attirer des gens un peu ici. J'ai un peu l'idée d'organiser des stages de toutes sortes, tout ce qui est écologie ou des solutions qui pourraient pour vivre de manière plus simple, un peu plus autonome. Le stage d'éolienne, c'est le début, c'est un peu le projet pilote, c'est le test. On a trois ateliers, le métal, c'est le soudure, les disqueuses, après il y a la pale, on va le bois, aussi de fabriquer le moule, et après la partie électrique, c'est le bobinage. C'est très participatif, très ouvert, enfin il n'y a pas de règles. L'idée, c'est que tout le monde voit tout et puisse participer un peu à tout et puisse donc apprendre en fait dans tous ces différents domaines. Ce qui va commencer à être délicat, c'est d'avoir en fait un bord tranchant ici tout du long. Et ce qui va être pas facile aussi, c'est le côté arrondi de la pale de ce côté-là, quoi. Donc on fait bien étape par étape, mais bon, bah, ça va commencer à être un peu délicat. Mais... Ouais, c'est bien, ça te fait une petite marche. Du coup, vu que cet angle-là, il est aigu, ça te permet d'avoir une jonction qui est propre. Et après, on a bobiné en étoile. Alors, cette partie ici, c'est le neutre. Ça, c'est le neutre qui recorde les premières trois bobines. C'est bien, on a un bon groupe. On a une dizaine de stagiaires, plus quelques personnes qui sont venues pour donner un coup de main. On a rencontré un groupe de personnes pendant une semaine. On a le temps de vraiment connaître chaque membre de l'équipe. Chaque personne a des compétences et des connaissances qu'on partage tous ensemble. Et ça, c'est très bien, c'est très bien, parce qu'on en apprend énormément. Moi, j'ai fait des choses cette semaine que je ne savais absolument pas faire. Et pourtant, à la fin de la semaine, j'ai l'impression de savoir le faire maintenant. La machine on fabrique cette semaine, c'est une machine de 2,40 m en diamètre. C'est une machine qui est un peu plus petite pour une éolienne, pour une maison raccordée au réseau avec toutes nos besoins classiques. En général, on fabrique une machine de 3,60 m ou 4,20 m. Ah oui, la semaine, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et ces choses ne resteront pas pour moi seul. Elles iront de moi vers d'autres personnes. Le fait de travailler comme ça, si, parce que bon, il se passe des stages dans plein de domaines différents aussi, dans l'autoconstruction, que ce soit de l'éco-construction, des fours solaires ou plein d'autres domaines en fait. Et ça, je trouve ça génial pour les gens d'apprendre à faire eux-mêmes en fait, que ce soit leur maison, leur système qui produit l'énergie. Oui, il faudrait que ça se développe de plus en plus, de sortir un petit peu du modèle dans lequel on est.